beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette seconde session du Festival des langues classiques. Une session Troisième, pendant laquelle nous allons. troisième édition, je précise. C'est la troisième Oui, mais c'est édition, la deuxième session ce la matin, première en pardon. ligne. La première en ligne. Et une rencontre dans laquelle nous allons évoquer un sujet absolument passionnant, Tolkien et la littérature antique. Et j'allais dire que s'il y a bien un désir qui se rejoue chaque année avec le Festival des langues classiques, c'est celui de faire dialoguer les cultures entre elles. Et on peut dire qu'avec Tolkien et la littérature antique, on approche sans doute l'une des formes les plus réussies de ce dialogue, de cette vocation, de cette conversation faite d'emprunts, de reprises, d'imitations enrichies, d'histoires ou de héros qui se réfléchissent dans les œuvres du maître de la fantaisie, par-delà les siècles qui le séparent de l'Antiquité. Et pourtant, cet arc que nous allons essayer de dessiner entre l'auteur, notamment du Seigneur des Anneaux, et les auteurs antiques, n'est peut-être pas si évident au premier abord. On connaît tous le lien entre Tolkien et la littérature médiévale, qui semble très évident, avec la légende arthurienne notamment, qui fait une solide assise, peut-être plus au premier abord que la mythologie grecque et romaine aux aventures, notamment de Frodo et à la quête de l'anneau, mais nous allons voir que ça n'est pas si évident que ça non plus et qu'il y a beaucoup de choses à aller piocher dans la littérature antique. On sait par ailleurs que Tolkien connaissait ses classiques et qu'il regardait de près certains épisodes, personnages, monstres fabriqués par son imaginaire font écho de manière plus ou moins lointaine avec d'autres épisodes, d'autres personnages ou monstres issus de l'Antiquité. Alors lesquels? C'est la question que nous allons posé à nos deux invités que je salue, Isabelle Pantin, bonjour, vous êtes professeure émérite à l'École normale supérieure et chercheuse à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, et puis Sandra Provigny, bonjour, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie, et peut-être le mieux est-il de vous laisser commencer, approcher cette rencontre entre Tolkien et la littérature antique par le chemin que vous aurez décidé. Est-ce que Isabelle Pantin, vous voulez démarrer cette rencontre? Je peux essayer. D'abord, je suis très heureuse de cette occasion justement de souligner cette présence de l'Antiquité classique dans l'œuvre de Tolkien, qui est une présence qui est souvent un peu ignorée. Je rappellerai par exemple la très très belle exposition Tolkien qui a eu lieu à la BNF l'année dernière, superbe, d'une richesse exceptionnelle, mais s'il y avait un élément qui était quasiment absent, c'était justement ce passé antique. Alors ça se justifie, enfin, le fait que l'attention ne soit pas apportée de ce côté-là se justifie parce que l'antiquité classique de Tolkien enfin, fait plutôt partie des soubassements, hein, du socle, hein, de l'imaginaire et de cet écrivain. Et d'autre part, c'est une antiquité qui est décentrée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vue du point de vue habituel, c'est dans la mesure où Tolkien l'observe depuis l'Angleterre. Donc l'Angleterre, dont il ne faut quand même pas oublier qu'elle a été romanisée, hein, entre le 1er et le 5e siècle, et que c'est aussi chose très importante pour Tolkien, elle a été romanisée et christianisée d'une certaine manière durant cette époque-là. Hein, subit le contre-coup, hein, de la christianisation de l'Empire romain dans les tout derniers siècles de son histoire. Alors, je ne sais pas, je sais pas combien de temps il faut que je parle. Quelques minutes pour dire comment j'allais dire quelle est votre approche de ce sujet. Et sinon, on passera aux questions assez rapidement après l'introduction, Sandra Provigny. Voilà, alors mon approche, elle est, je ne vais pas utiliser le mot de comparatiste parce que je ne suis pas comparatiste, mais ce qui m'intéresse, hein, c'est
cette présence de l'Antiquité classique à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est chez Tolkien, à la fois la pensée de la langue, hein, parce que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, le latin et le grec sont des composantes très très importantes de la pensée linguistique de Tolkien et bien sûr aussi du mythe. Alors il est d'ailleurs, c'est d'une certaine manière intéressant que nous succédions à une première conférence sur les catastrophes, hein, l'Atlantide, parce que c'est effectivement dans un imaginaire de la catastrophe, hein, d'une certaine manière, que se réalise la jonction entre le monde antique et l'œuvre de Tolkien, et notamment, plus spécifiquement, je dirais, l'imaginaire de la destruction suivie d'un héritage, d'une transmission et d'une reconstruction. Voilà. Sandra Proimi, est-ce que vous voulez faire votre introduction ? Oui, tout à fait. Pour moi, la lecture de Tolkien, ça a d'abord été une lecture d'enfance. Je ne suis pas la seule, manifestement, parmi les participants. Et on est frappé, je crois, d'abord par l'étrangeté face à ce monde merveilleux, totalement nouveau, que l'on découvre dans cette première lecture. Et puis, on est aussi assez vite amené à un sentiment de familiarité. Un sentiment de familiarité parce que, effectivement, Tolkien reprend plus ou moins par de lointains échos, ou plus ou moins précisément, des mythes que nous connaissons bien. Et je me souviens que, petite anecdote personnelle, quand j'étais doctorante et donc spécialiste en fait, de l'épopée et de la réécriture des épopées antiques à la Renaissance, j'avais eu le mouvement un petit peu audacieux d'offrir à ma professeure de latin, donc spécialiste du latin de la Renaissance, directrice à l'école pratique des hautes études, Le Seigneur des Anneaux, les trois tomes, à une époque où on était vraiment au début de la reconnaissance de l'œuvre de Tolkien comme une grande œuvre littéraire en France. C'était encore un petit peu débutant, dans la mesure où, par exemple, le grand livre de Vincent Ferré date de 2001. Et elle m'avait tout de suite dit, elle l'avait lu, elle m'avait tout de suite dit, mais c'est fou, c'est une nouvelle Énéide. Et c'est vrai qu'avec cette lecture et ces discussions, j'avais relu à nouveau plusieurs fois le texte en ayant en tête les épopées antiques et en finalement en l'inscrivant dans un genre de la littérature héroïque, peut-être qui serait non seulement celui que l'on peut connaître avec Homère et Virgile, mais aussi avec les épopées médiévales, les chansons de gestes, avec les épopées nordiques que Tolkien connaît extrêmement bien, ou encore avec les sagas. On avait fait un séminaire de doctorant sur ce sujet-là, avec une approche qui était d'abord une approche peut-être philologique, de recherche de sources, et une approche d'ailleurs que récuserait sans doute en partie Tolkien, qui se moque un petit peu de cette recherche de sources, cette recherche de ce qui compose la soupe. On connaît bien cette citation du conte de fées où Tolkien nous dit « Nous devons nous contenter de la soupe qui est posée devant nous et ne pas désirer voir les os du bœuf qui ont servi à sa confection ». Dans l'idée que finalement on perdrait la saveur même de cette soupe si on allait trop disséquer, rentrer justement dans cette recherche de tous les ingrédients qui composent la soupe. Mais en même temps, Tolkien lui-même est un philologue, est un spécialiste des littératures médiévales, et lui-même, par exemple, dans son étude de Beowulf, a fait ce travail de rapprochement avec les épopées antiques. Et il cite quelques sources explicitement, notamment dans ses lettres. Il évoque l'Atlantide, il évoque le mythe d'Orphée, il évoque le mythe d'Oedipe, mais toujours en nous disant « attention, bon, je le dis pour ceux que ça intéresse, mais ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas ce qui va compter le plus pour apprécier mon histoire. » Alors,
Donc, c'est tout l'enjeu un petit peu aussi de notre discussion ce matin. C'est, on va repérer, bien sûr, des sources. On va montrer ce que fait Tolkien, comment il réécrit certains matériaux de la littérature antique. Et c'est d'ailleurs un mouvement, vous parliez tout à l'heure du fait que l'on connaît bien les sources médiévales de Tolkien, que ça a été analysé de longue date aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant se multiplient les études sur son rapport à l'Antiquité. Et je voudrais simplement indiquer qu'aujourd'hui même, en Italie, il y a un séminaire qui se déroule aussi sur Zoom et qui s'intitule « Tolkien et l'Antiquita ». Et qu'aujourd'hui, aussi, il y a quelques semaines à peine, est paru un ouvrage collectif édité par un collègue exerçant dans une université allemande, Hamish Williams, qui s'intitule « Tolkien in the Classical World ». Donc, on est dans un moment d'ébullition des études sur les sources antiques de Tolkien, tout en essayant de ne pas perdre de vue ce qui fait la saveur propre de son œuvre. C'est une parfaite introduction, je trouve, même si on va devoir un peu trahir Tolkien pour aller chercher justement les os du bœuf qui ont permis de faire la soupe, pour aller explorer un petit peu les emprunts ou les utilisations retouchées, évidemment, de la mythologie antique. Peut-être qu'on peut commencer par le commencement, j'allais dire, la genèse dans la mythologie antique, et notamment chez Ovide et les métamorphoses. Il y a évidemment une cosmogonie, il y a aussi une cosmogonie ou une théogonie, je ne sais pas, vous me direz quel mot il faut utiliser chez Tolkien, et notamment dans le Silmarillion. Isabelle Pantin, Je pense que pour parler d'Ovide, Sandra est mieux placée que... Alors, Sandra Provili. Alors, pour parler de... Oui, de la... Alors, parler d'Ovide, c'est peut-être le plus difficile dans la mesure où c'est l'auteur qui n'est pas reconnu jamais par Tolkien comme une de ses sources. Dire que, en tant que... Oui, que lectrice d'Ovide, spécialiste des métamorphoses, j'entends des échos souvent à Tolkien, mais... Est-ce que véritablement on peut parler de source directe? Là, c'est une question que, pour ma part, je ne me permettrai pas de trancher à ce stade. Ce qui est certain quand on lit, quand on ouvre le Silmarillion et qu'on ouvre toute cette partie justement de cosmogonie et de théogonie, on a les deux puisqu'on a à la fois un récit de création du monde et un récit aussi des premières présentation des premiers dieux et présentation des guerres des dieux. Donc on reconnaît évidemment des éléments qui sont tout à fait comparables dans leur structuration, dans la structure même du récit, avec ce que l'on peut trouver au début des métamorphoses dans le chant 1, mais ce que l'on trouverait aussi d'ailleurs chez Hésiode. C'est-à-dire que là, c'est un type de récit de création du monde qui suscite de nombreux échos sans que l'on puisse tout à fait se dire que Tolkien a vraiment pris une source et l'a imitée de manière précise. On a ces grands récits de création du monde qui sont connus notamment de quelqu'un comme lui qui a eu une éducation classique, qui est sans commune mesure avec l'éducation classique d'ailleurs des jeunes gens de même ma propre génération ou depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais Tolkien a baigné dans cette culture dans son enfance, au collège, à la King Edward School ou encore dans ses premières études à Oxford. Donc il a lu ces textes, il s'en est imprégné. On peut parler d'innutrition en fait, hein, de cette connaissance si intime de ces textes que... on va retrouver des structures qui viennent de ces premiers récits. Alors, simplement, c'est vrai que quand on regarde la présentation des dieux, notamment des Valar, on reconnaît par de nombreux traits les dieux olympiens. Il y a par beaucoup de détails dans la description de ces dieux. Si vous prenez Manwë, par exemple, ce dieu qui s'exprime, va porter des messages ou agir auprès des elfes et des hommes par l'intermédiaire de ses aigles. Dieu qui est un dieu vraiment du monde aérien, du monde céleste, donc qui
pour nous, évoque Zeus ou Jupiter. On reconnaîtrait en Ulmo un avatar de Neptune. On pourrait reconnaître dans Olé un avatar de Vulcain, un dieu des arts de la forge. Mais on pourrait reconnaître aussi dans la montagne des Valar le mont Olympe lui-même. Mais tout cela pourrait aussi se reconnaître dans d'autres mythologies antiques et puis aussi dans les mythologies nordiques, comme le disent certains auditeurs dans la conversation. Donc, je n'irai pas jusqu'à parler ici d'une source ovidienne certaine. En revanche, peut-être pour d'autres éléments, je pense notamment à son traitement des arbres. Là, j'irai plutôt reconnaître, en effet, plus précisément, le livre 10, le livre d'Orphée, dans certains détails, mais peut-être plus que dans sa cosmogonie même. C'est vraiment intéressant, hein, parce qu'on voit bien que l'objectif n'est pas forcément de trouver des inspirations immédiates et directes, mais bien de parler de ce patrimoine mythologique dans lequel des inspirations peuvent avoir lieu sans que ça soit, vous faisiez la comparaison entre les dieux grecs et les Valar, sans que ça soit des correspondances immédiates ou des effets de miroir absolus. Est-ce qu'il y a chez les Valar, par exemple, une hiérarchie des dieux comme il y a chez les Grecs, ou est-ce que c'est différent ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Valar sont tous en deuxième position par rapport au dieu unique, Eru Ilúvatar, mais ensuite, c'est quand même Manwë qui est le seigneur des Valar. Donc, il y a effectivement cette hiérarchie, et on pourrait aussi retrouver une forme de gigantomachie, comme nous les avons dans les récits des mythologies grecques et latines, dans la grande lutte des Valar contre Morgoth, qui est l'un des leurs, mais qui va se battre avec des créatures souterraines, les Balrogs, créatures qui rappellent aussi tout à fait les Titans dans certaines de leurs caractéristiques. Mais encore une fois, je n'y verrai pas forcément une forme de réécriture en détail telle que l'on pourrait la reconnaître dans d'autres mythes que reprend Tolkien dans le Silmaril. Alors, il y a un texte, semble-t-il, dans lequel Tolkien puise aussi peut-être des épisodes qui sont absolument fascinants, c'est celui de l'Énéide. Isabelle Pantin, est-ce que l'Énéide vous paraît un texte de base, j'allais dire, pour alors, j'aimerais peut-être reprendre les choses d'un petit peu plus haut pour rappeler quand même quelle est la position de Tolkien par rapport à cette littérature. Donc on a déjà dit que Tolkien a une culture gréco-latine extrêmement approfondie. S'il sait, et justement il se situait dans une période et dans une société qui n'est plus la nôtre, donc il faut vraiment se rendre compte dans lequel le grec et le latin, la culture, c'était vraiment la norme, c'était le fondement de la culture, et c'était aussi un élément de distinction sociale. C'est-à-dire, c'est une chose qui évidemment n'existe plus. Or, ce qui semblait fondamental à Tolkien comme approche de la littérature, c'est que la base, c'est un investissement personnel, un plaisir, à la fois esthétique et le plaisir aussi d'une sorte de communauté profonde, de réponse personnelle à ce que l'on lit. Or, il a dit à plusieurs reprises que, par exemple, le plaisir littéraire, c'est quelque chose que la lecture d'Homère lui a donné. C'est-à-dire qu'il a senti ce que pouvait être cette réponse personnelle profonde à une œuvre littéraire dans Homère. Et de même, faisait partie de ce plaisir profond, le plaisir de la langue. Il faut rappeler que Tolkien, dans une de ses conférences très belles sur la langue, sur le,
a dit que les deux langues qui lui donnaient un plaisir phonesthétique le plus fort étaient le grec et le finnois. Il parle très bien du grec, il en parle un peu comme ceux qui ont lu Le Seigneur des Anneaux se connaissent, donc ce métal qui fait des cottes de mailles extraordinaires, le mithril, cette alliance de dureté, de fluidité, de miroitement de surface, et de certaine manière, pour Tolkien, le grec est une langue de mithril, extrêmement. Et le latin, avec le latin, il a une autre approche qui est, bon, pour le latin, et pour lui, une langue tellement familière, donc finalement, à certains égards, elle passe pour acquis. Et en même temps, c'est une langue dont la gravité, la solidité, lui parlait. Il a donné à. Je tiens à rappeler que dans les langues elfiques qu'il a imaginées, le latin et le grec sont une composante, et une composante reconnue. Et en particulier, le latin est la base de l'elfique archaïque, l'elfique noble. C'est la langue de la loi, c'est la langue du culte. Et donc ça, c'est et la même chose d'une certaine manière pour les mythes. Et donc il faut rappeler aussi que donc l'Iliade et l'Odyssée, l'Énéide sont de très beaux textes littéraires pour Tolkien, parce que ce sont des textes qui embarquent leurs lecteurs. Ce sont des modèles narratifs, d'une certaine manière. La manière dont Tolkien souhaite que le lecteur soit engagé dans un roman comme Le Seigneur des Anneaux, c'est la même qui est l'engagement dans l'Énéide, dans l'Iliade, ou dans l'Odyssée. Et c'est par l'intermédiaire de cet engagement, donc, que peut faire cette rencontre avec ces grands mythes. Alors, j'ai peut-être parlé suffisamment, donc c'est à Sandra. Non, mais c'est de toute façon important, on allait y venir un tout petit peu après, mais effectivement, la connexion par la langue et par l'amour de la langue devait forcément se faire. C'est pas simplement par les personnages, par les mythes, par les histoires, par les récits, mais évidemment par la langue, comme vous venez de le faire. De la langue au mythe, il n'y a pas de clivage. C'est de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Il y a dans un renvoi perpétuel, et c'est aussi quelque chose d'assez personnel, je pense, pour Tolkien. C'est-à-dire que pour lui, les sonorités d'une langue étaient quelque chose qui mettait en branle son imaginaire. Sandra Provigny, quelques mots sur cette question de la langue et de l'usage des langues antiques dans l'amour de Tolkien pour la langue, mais aussi dans l'usage qu'il a pu en faire dans son œuvre. Alors, oui, peut-être, pour prendre un exemple, donc on sait effectivement que le Kenya est élaboré à partir de racines latines, grecques et finnoises. On sait aussi que parfois la rêverie autour de certains mots est connectée, comme l'a dit Isabelle, à certains mythes. Je pense notamment à l'Atlantide, au mythe de l'Atlantide, qui est au fondement de l'histoire de la chute de Numénor dans le Silmarillion. Et Tolkien lui-même nous dit de manière un petit peu ironique, c'est un hasard en fait que l'Atlantide, enfin que Numénor s'appelle Atalante en langage elfique, donc en Kenya, et que finalement les deux îles aient le même destin. Alors c'est un hasard, une coïncidence dans une note. Alors, il l'écrit dans une note de bas de page à l'une de ses lettres. Et évidemment, c'est assez. Là, on a affaire à ce rire philologique, en quelque sorte, d'un spécialiste des langues qui a inventé des racines pour les mots, pour les.
pour toute cette nouvelle langue qui nourrit son, qui en fait qui nourrit son imaginaire et qui est même au fondement même du monde de la Terre du Milieu, puisque la langue est première. Il a d'abord inventé ses langages et ensuite il a inventé le cadre dans lequel les personnages allaient parler ces langues. C'est en tout cas ainsi qu'il présente la construction de son œuvre, donc d'abord par la langue. Et donc je recherchais, parce que j'ai noté quelque part, mais la racine même qui est alors je crois que c'est Talar en Kenya, qui veut dire la chute. Et donc à partir de ce mot, il plaisante sur le fait que Atalante viendrait en fait d'une racine kenyane voulant dire l'île qui a chuté, et que ce serait donc, ça rejoindrait le mot Atlantide de l'univers donc imaginaire du monde primaire, donc notre monde à nous. Donc là, hasard, clin d'œil en tout cas dans cette mention d'un hasard, puisque l'on peut bien sûr plutôt imaginer qu'à partir du mythe de l'Atlantide, il a cet imaginaire de la chute qui a nourri le mythe de Numénor. Mais c'est bien, il présente bien ici, comme le disait Isabelle, la langue, comme les sonorités même de la langue, comme ce qui est premier dans l'invention même de cette histoire. Est-ce que, pour revenir, j'allais dire, pour revenir vers la question de mythe particulier ou d'histoire particulière, la question de Homère, évidemment, vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que Homère a été un inspirateur de Tolkien? Et parmi les inspirations possibles, même si on a bien, à la première lecture, compris que Frodo, ça n'est pas Achille, n'est-ce pas? Que les héros ne sont pas exactement formés de la même, du même métal. Est-ce qu'il y a quand même des épisodes, notamment peut-être la question du siège de Troie, par exemple, qui appartient au domaine, au patrimoine, à la soupe dont nous parlions tout à l'heure, qu'utilise Tolkien? Absolument, hein. C'est même un des mythes centrales, un des mythes premiers. Hein. Comme on sait, Tolkien a commencé juste à la fin de la guerre de 14, hein, alors qu'il était malade, à imaginer des histoires, et l'une des toutes premières histoires, ça s'appelle La chute de Gondolin. Et c'est l'histoire d'une ville assiégée, hein, qui finit par être brûlée et détruite, hein, au cours d'une histoire qui se déroule avec une certaine lenteur, hein. Et finalement, ce qui est aussi capital, c'est qu'un petit groupe de rescapés s'enfuit, emportant d'une certaine manière les pénates, hein, et les restes de la civilisation détruite, hein, pour aller la refonder ailleurs. Alors évidemment, l'ennui dans l'Iliade, c'est qu'elle n'est pas terminée, on n'en a qu'un bout. Hein, donc, d'une certaine manière, je pense que ici, l'accès au mythe se fait plutôt à travers l'Énéide, hein, qui, et aussi c'est quelque chose de très important dans l'Énéide, le récit de l'incendie de Troie et du départ d'Énée se fait rétrospectivement. Et cette dimension aussi rétrospective, c'est-à-dire que pour Tolkien, un mythe n'est jamais tout plat. Ce n'est pas comme une fresque sur un mur. Hein. Un mythe vous donne, c'est comme une porte qui vous donne accès à une certaine profondeur du temps. Et le mythe est aussi vie des réactivations perpétuelles, hein, qui lui sont données. Et donc, effectivement, ça fait partie, ce mythe de Gondolin, on le retrouvera d'ailleurs jusque dans Le Seigneur des Anneaux, à travers le siège de Minas Tirith, qui,
qui n'aboutit pas jusqu'à la fin absolue, mais qui entraîne l'incendie de la ville, qui est un motif tout à fait essentiel dans l'œuvre de Tolkien. Mais Sandra, je pense, on pourrait en dire beaucoup plus que moi. Sandra Provigny. Un mot sur le fameux siège de Minas Tirith. Alors peut-être même par-delà, c'est vrai que bien sûr ce siège de Minas Tirith nous rappelle par beaucoup d'aspects le siège de Troie tel qu'il est rapporté dans l'Énéide, et je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, il me semble que c'est beaucoup plus du récit de l'Énéide, du récit de Virgile que Tolkien s'inspire plutôt que de l'Iliade, et non pas seulement pour des... en termes narratifs ou en termes de similitudes ponctuelles, on pourrait évoquer, si l'on veut chercher des similitudes, des analogies entre les deux œuvres, trouver de nombreux exemples. Si l'on pense ne serait-ce qu'au destin d'Aragorn, il a toutes les caractéristiques qui sont tout à fait comparables au destin d'Aîné. Hein, c'est un prince en exil. D'ailleurs, c'est un exil qui est... qu'il doit déjà à des générations précédentes, puisque son ancêtre Isildur, fils d'Elendil, ce sont les exilés de Numénor. Donc, il y a déjà eu une chute, il y a déjà eu la chute d'une cité, cette cité Numénor qui était le royaume des hommes, offert aux hommes par les Valar. Tous deux sont partis en exil sur des bateaux, comme le Troyen aîné qui conduit son peuple vers une nouvelle terre en Italie, pour la fondation de Rome, qui se fera simplement avec un temps de... L'aîné ne raconte pas la fondation de Rome, elle raconte la fondation de l'Avignum, d'où partiront les futurs fondateurs de Rome. Et de la même manière ici, dans le récit de Tolkien, on a la chute de Numénor, et puis une fondation d'un royaume en terre du milieu, qui sera Minas Tirith, et qui sera refondée ensuite par Aragorn à la fin du Seigneur des Anneaux. Donc on a cette idée d'un exil, l'idée d'une refondation. On a aussi de nombreuses similitudes entre Aragorn et Aîné, qui vivent tous deux une catabase, hein, qui vont passer par un monde souterrain, infernal, rencontrer les morts. Aîné le fait dans le chant 6 de l'Énéide, il descend aux enfers pour parler à son père et connaître le destin de Rome. Donc ses descendants jusqu'à Jules César et à l'empereur Auguste. Aragorn, lui, passe par les chemins des morts pour réunir l'armée des morts qui avait trahi Isildur et qui va pouvoir accomplir enfin son serment en combattant les armées alliées à Sauron. Donc on a aussi cette catabase qui est un motif que l'on retrouve à plusieurs reprises dans Le Seigneur des Anneaux, mais qui fait écho largement au récit de l'Énéide. Et puis, on a aussi cet aboutissement de l'épopée avec la refondation du royaume et le mariage, mariage donc, d'Aragorn avec Arwen, qui, comme le mariage de Aîné avec Lavinia, est hors épopée, c'est-à-dire qu'il est annoncé, mais il n'est pas raconté. Tolkien ne le raconte que dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Donc, du point de vue structurel, en fait, on retrouve comme ça un fil qui rappelle l'Énéide, mais il me semble que c'est une analogie plus profonde, en fait, que l'on peut retrouver entre les deux récits, qui serait plus de l'ordre du partage d'une vision du monde. C'est ce que d'ailleurs Tolkien avait dit pour Beowulf. Il avait considéré qu'il y avait des similitudes ponctuelles avec l'Énéide, mais surtout le partage d'une philosophie. Et ce que disait tout à l'heure Isabelle sur la profondeur du mythe, je crois que c'est un des éléments. C'est-à-dire qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux l'idée d'une antiquité sur plusieurs niveaux. L'idée aussi d'une mélancolie de l'histoire, d'un regret pour ce qui est disparu, pour ces civilisations disparues, les personnages rencontrent énormément de ruines dans leur parcours. On a les traces d'anciens champs de bataille, on a des tombeaux, on a des statues à moitié écroulées. Et donc, on a une forme de profondeur temporelle
qui est tout à fait similaire à celle que l'on peut reconnaître dans l'Énéide, avec le regret profond de Troie qu'a aîné, et le regret profond aussi qu'ont les hommes du Gondor de Numénor qui est perdu et qui reste dans leur souvenir ce pays idéal, ce pays, mais qui leur est à jamais fermé. Et puis, en termes philosophiques aussi, pour confirmer ce que disait aussi Isabelle sur le fait qu'on avait sans doute plutôt une parenté avec l'épopée virgilienne plutôt qu'avec l'épopée homérique, et avec l'Iliade en particulier, c'est que la valeur qui est au centre, je sais pas, on peut dire une valeur au centre du récit, mais une des valeurs, en tout cas, ce n'est pas la gloire homérique. On n'a pas de héros, en tout cas pas de héros qui soient valorisés dans Le Seigneur des Anneaux, qui soient à la recherche du kléos, de la gloire telle que Achille avait pu vouloir la conquérir dans l'Iliade. C'est au contraire la valeur virgilienne de la pietas, la piété, qui anime certains personnages, c'est-à-dire justement le sacrifice individuel pour le bien collectif, que ce soit celui d'Aragorn ou surtout aussi celui de Frodo qui, si vous pensez par exemple dans la scène au Conseil d'Elrond dans laquelle on lit les aspirations de Frodo à revenir dans le comté, à la paix, à retourner dans la tranquillité de cette vie bucolique, proprement bucolique des Hobbits, eh bien il va finalement ne pas suivre cette aspiration personnelle, mais faire le choix d'aller jeter l'anneau dans le monde du destin, d'accomplir cette mission qui est un sacrifice individuel pour sauver la terre du milieu et la collectivité. Vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui m'inspirent plusieurs questions. La première qui s'adresse à tous les deux, c'est cette question de la vision du monde. C'est vrai qu'on a le sentiment, par exemple, que la comté, la manière bucolique dont elle est racontée, pourrait peut-être faire penser aussi à une autre vision mythologique, celle de l'Arcadie. Est-ce que le lien pourrait être fait entre ces deux régions, si je puis dire? À certains égards, bon, c'est un rapprochement qui est effectivement qui est très suggestif. Et en même temps, Tolkien a vraiment voulu donner une empreinte anglaise. Le premier modèle de la comté, c'est quand même la campagne anglaise. D'avant la révolution industrielle, si je peux dire, parce que c'est, enfin, il y a ce côté nature, et amour de la nature qui est absolument évident et fondamental, mais il y a aussi quand même une profonde culture qui est très, c'est une vie, la vie du comté est une vie quand même très organisée. Il y a un bourg, il y a un maire, et de plus en plus, ce qui transparaît dans les deux romans, dans Bilbo comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la conscience de faire partie d'un ensemble plus vaste, qui est le vaste monde, donc du vaste monde viennent des dangers, bon, mais aussi viennent une aspiration à les hobbits, enfin, en tout cas les protagonistes parmi les hobbits, aussi bien Bilbo que Frodo, sont mus par un désir de frayer avec les autres peuples et de découvrir au-delà, enfin, il y a à la fois l'enracinement bourgeois, l'amour de son petit village, de son jardin, de sa forêt, et l'appel de l'autre. Donc peut-être, peut-être que Sandra aurait plus à dire sur ce modèle de l'Arcadie. Sandra Provigny.
Je ne sais pas, parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que le premier modèle est l'Angleterre, que ce sont des Anglais, et que d'ailleurs, en termes de géographie, Tolkien dit que la latitude du comté, c'est celle d'Oxford, c'est celle de sa région. Donc, pour ce qui pourrait être peut-être un lien avec l'Arcadie, des bucoliques et de Virgile, on pourrait simplement rappeler que dans les bucoliques, on a l'idée d'un endroit paisible, dans un lieu, le locus amoenus, ce lieu agréable, naturel, dans lequel les bergers prononcent de la poésie, et que tout cela se fait sur un fond. Un fond qui est celui de guerre, celui de menaces impérialistes ou militaires. Donc, il y a aussi cette idée d'un endroit qui est à la fois encore préservé, mais menacé, qui pourrait nous amener à ce type de rapprochement. Mais je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Je voudrais m'arrêter encore un instant sur la figure du héros. On parle de tout ce qui peut faire lien ou miroir éventuellement avec la mythologie antique, mais on sait aussi les liens qui ne peuvent pas être faits. Et encore une fois, les personnages héroïques au premier plan, notamment du Seigneur des Anneaux, ne sont pas des personnages qui ressemblent aux personnages de l'épopée, notamment homérique, mais même celle d'Énéide, c'est-à-dire Frodo n'est pas Achille ni Énée. Comme l'a bien dit Sandra tout à l'heure, là, je pense qu'effectivement les personnages sont beaucoup plus proches de ceux de l'Énéide. Il y a notamment un sens, une gravité, un sens des responsabilités qui est très très fort dans le. Tolkien avait une allergie extrêmement forte à tout ce qui était bravade, héroïsme personnel, désir de briller, tout ce cirque qu'il a rattaché d'ailleurs aussi un peu à la chevalerie arthurienne, hein, mais que l'on retrouve évidemment chez Achille, hein, qui est un héros brillant, charismatique, et dont l'éclat tourne complètement autour de lui-même, et un héros. Ben, il faut vraiment que Achille soit très profondément atteint par le deuil, hein, pour s'ouvrir et pouvoir entrer en dialogue avec Priam. Hein. Mais il faut vraiment qu'il soit atteint dans ses profondeurs. Alors que les héros de l'Énéide, hein, et Énée en particulier, ont un sens, oui, un sens de la responsabilité collective qui est essentiel, et aussi, Sandra l'a dit, la pietas, hein, qui est une notion extrêmement riche et profonde, qui est aussi une vertu qui vous relie aux autres, et pas seulement à la divinité, disons. Il me semble me souvenir d'un texte, par ailleurs, de Tolkien, dans lequel il rapportait son expérience de la Première Guerre mondiale, et où il parlait justement de son rapport à un héroïsme discret, si je puis dire, qui est celui des soldats de la troupe, et non pas des héros de la Première Guerre mondiale, et qui se disait très inspiré par le comportement, la modestie justement de ces personnages qu'il avait énormément qu'il avait énormément aimé, et qu'il avait aussi inspiré peut-être pour définir les Hobbits. Et justement là, alors on a un trait qui dont on se demande s'il a vraiment trouvé dans la littérature héroïque antérieure, parce que là l'héroïsme, effectivement, des simples, des petits, des simples soldats, il faut avouer qu'on ne le trouve pas tellement, ni dans les modèles antiques,
lui-même dans les modèles médiévaux. Enfin, bon, Beowulf, il y a effectivement ses compagnons, mais enfin, il ne s'agit pas de vraiment de l'humble soldat de la tranchée. Hein. Je me posais une question par rapport à un autre thème tolkienien, c'est celui des enfers, d'une certaine manière. Je me demandais s'il y avait un rapport, un lien à faire entre le mythe de Orphée et Eurydice et la rencontre par Tolkien de ces outre-mondes, si je puis dire, de ces enfers dans lesquels, vous l'avez raconté tout à l'heure, Sandra Provini, Aragorn descend sur le chemin des morts, mais peut-être aussi d'autres personnages. Est-ce que Orphée et Eurydice peuvent être deux personnages inspirants pour Tolkien? Alors, je laisserai d'abord parler Sandra, puis je rajouterai éventuellement mes petites notes. Alors, oui, là, c'est un des rares mythes où Tolkien est explicite en disant que la légende, enfin, dans le Silmarillion, l'histoire de Beren et de Lúthien est explicitement pour lui une sorte de légende d'Orphée à l'envers. Donc, il le dit dans une de ses lettres. Mais sur la pitié et non pas sur l'inexorabilité. Alors, ça, c'est la traduction française des lettres. Alors, on a ici donc, vraiment un des rares moments où Tolkien nous dit « Ici, là, je réécris Orphée et Eurydice ». Alors, comment en identifiant, en fait, non plus cette fois l'amant, Beren, qui est un homme, mais sa bien-aimée, Lúthien, qui est une elfe, et une elfe aussi descendante de Melian, donc d'une Maya, d'une divinité. Plusieurs scènes dans l'histoire de Beren et de Lúthien qui luttent tous les deux contre Morgoth, contre donc ce Valar déchu, pour reprendre l'un des Silmarils, qui sont ces joyaux créés à Valinor par le plus grand forgeron des elfes, Fëanor. Donc, ils vont, Beren, à plusieurs reprises, se retrouve prisonnier dans des souterrains, dans des lieux qui sont infernaux. D'abord prisonnier de Sauron, puis prisonnier de Morgoth. Et à chaque fois, Lúthien va, par son chant, réussir à endormir ses gardiens et le délivrer. Et le dernier chant de Lúthien, donc, qui là rappelle de manière encore plus précise le mythe d'Orphée et Eurydice, dans lequel Orphée, après la mort de son épouse, descend aux enfers, se met à chanter devant Proserpine et Hadès pour demander que Eurydice soit rendue à la vie. Et il réussit à susciter la pitié chez eux par son chant, et ils acceptent de lui rendre Eurydice à la condition, vous savez, que Orphée ne se retourne pas. Orphée se retourne et Eurydice meurt pour la seconde fois au moment de revenir sur la terre. Et dans le texte de Tolkien, Lúthien, à la mort de Beren, va dans les cavernes de Mandos, donc, qui est le dieu qui garde ce royaume des morts dans le Silmarillion, et elle chante et suscite à son tour la pitié de Mandos, qui va lui permettre d'offrir une seconde vie à Beren. Mais cette fois, elle est victorieuse. C'est-à-dire qu'on a une fin heureuse dans la réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice par Tolkien. Et c'est, je crois, une des caractéristiques souvent de ces réécritures, dire qu'il va modifier modifier la fin du mythe. Ici, il s'agit vraiment de ce que Tolkien appelle le catastrophe, donc ces moments d'issue heureuse, de retournement, où on a finalement, dans ce mythe de Beren et Lúthien, les retrouvailles des amants. Mais les retrouvailles des amants, Lúthien ayant, de son côté, renoncé à l'immortalité des elfes pour connaître la mortalité des humains avec Beren, mais ils ont une deuxième vie qui leur est véritablement offerte, ce qui leur permettra d'avoir d'ailleurs une descendance qui sera à l'origine de cette lignée des rois du Gondor dont fait partie Aragorn. Donc je trouve qu'il y a là un trait qui me semble notamment remarquable, c'est cette idée d'une réécriture corrective des mythes anciens pour une forme de consolation finalement par
l'écriture de, par les nouvelles versions que Tolkien propose. C'est fascinant. Isabelle Pantin ? Oui, non, je suis évidemment tout à fait d'accord avec la lecture que vient d'en faire Sandra. Simplement, souligner bon, ce qui est évident, hein, c'est que à partir du moment où la question de la mort hein, est l'élément central dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice, on touche au fait qu'on est passé dans une autre vision du monde qui est la vision chrétienne hein, de Tolkien. Et au cœur de cette vision chrétienne, hein, donc une autre façon d'envisager la mort et surtout la mortalité. Ça, Vincent Ferré a écrit un beau livre sur cette question. Bon, c'est totalement central. Hein. C'est la mortalité. On remarque immédiatement quand on commence à lire Tolkien qu'une grande différence entre les différents peuples, etc., c'est leur longévité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent plus longtemps que les autres, etc. Et puis les elfes, hein, qui eux, dont justement fait partie Luthien, qui ont une espèce de vie étirée, sans limite. Or, pour Tolkien, la conscience de la mortalité et l'acceptation de la mortalité est une chose essentielle, et donc d'où l'importance de ces mythes de Beren et Luthien qui repris ensuite avec le couple Arwen-Aragorn et qui justement permet de placer au centre cette question et de retourner d'une certaine manière le problème hein, par rapport à la façon dont il se pose dans une antiquité païenne. Et d'ailleurs, simplement pour aller dans le même sens et revenir sur une question qu'on a abordée tout à l'heure, qui était celle du rapport entre les Valar et les dieux de la mythologie païenne, bien précisément, je disais tout à l'heure, il y a aussi un dieu unique, Eru Ilúvatar, qui est au-dessus des Valar, mais ils ont aussi un tout autre rapport aux hommes que le rapport qu'ont les dieux de l'Antiquité dans les épopées avec les humains qu'ils manipulent, auxquels ils envoient des messages, des ordres, etc. Si la question de la mortalité est tout à fait première, il y a aussi la question de la liberté des elfes et des humains dans le monde de Tolkien qui est là préservée par les Valar, c'est-à-dire que toujours la liberté des elfes ou des hommes est respectée, ils peuvent entendre des avertissements, des demandes des Valar, mais contrairement aux héros de l'épopée qui doivent obéir, pensons à Aene qui reçoit l'ordre de Jupiter de quitter Didon et d'aller accomplir sa mission. Aene ne se pose pas de questions, il part et il abandonne Didon à son sort. Dans le Silmarillion comme dans le Seigneur des Anneaux, les dieux conseillent, ils agissent, mais en respectant toujours cette liberté. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils ne sont pas écoutés. On a, dans le Silmarillion, beaucoup de refus d'entendre les messages des dieux, et cette liberté-là est respectée. Donc là aussi, on est vraiment dans une philosophie chrétienne qui est tout à fait étrangère à la philosophie païenne qui est lointainement à l'origine des mythes qui sont réécrits. Bien sûr, je reviens vers vous, Isabelle Pantin, et je retourne sur Terre, si je puis dire, je redescends sur Terre avec l'organisation, la question de l'organisation politique, si je puis dire. Est-ce que l'Empire romain et son organisation ont été une source éventuelle d'inspiration de Tolkien ? Je pense, alors peut-être pas une source au sens strict, mais il me semble qu'il y a la mémoire de ce qu'a été l'Empire romain, c'est-à-dire un empire. Alors, Tolkien n'aimait pas du tout le mot empire, hein, mais disons un pouvoir politique s'étendant quasiment aux limites du monde connu et qui a réussi, disons, durant de très longs siècles à pouvoir, au fond, faire coexister des peuples
et des civilisations différentes, à la fois en leur donnant, en leur donnant une langue, d'une certaine manière, la possibilité, en tout cas, leur donnant la possibilité d'une langue commune, d'une administration, mais en même temps, plutôt en pensant qu'il fallait, j'idéalise peut-être un peu l'Empire romain, mais qu'il fallait non pas faire régner un ordre de fer, disons, de façon à étouffer d'une certaine manière, mais essayer au contraire de profiter des ressources des différents peuples, hein, aussi une entité, disons, qui a été relativement ouverte, hein, à certaines influences, etc. Bon, c'est quand même l'Empire romain, là vous allez parler de Constantin, qui a fait entrer le christianisme en Europe, hein, d'une certaine manière, qui lui a donné une très large possibilité d'expansion. Je pense que c'est un modèle qui travaille d'une certaine manière le Seigneur des Anneaux, hein, dans lequel la question de... Bon, il y a quand même un roman qui est écrit d'une guerre à l'autre, hein, quasiment, hein, dans lequel la question de la destruction, le fait qu'il y ait une civilisation forte qui est menacée de destruction et qui va devoir réinventer un ordre politique. Alors, Tolkien pensait écrire une suite, hein, au Seigneur des Anneaux, parce que Aragorn l'intéressait pas tellement comme héros, mais comme un homme politique, d'abord un chef de guerre qui fait la guerre parce qu'il est obligé et qu'il faut maintenir la civilisation dont il est le représentant d'une certaine manière, hein. Mais ensuite, comment rétablir une espèce de paix augustéenne, si je peux dire, hein, d'ordre qui maintienne une certaine diversité des peuples. Alors, évidemment, il allait beaucoup plus loin que la réalité de l'Empire romain, parce que il était tellement hostile à l'autorité impériale. Il détestait, par exemple, l'Empire britannique. Hein, ça, c'était un empire colonial, c'était absolument horrible à son idée. Donc, il exagère le côté quasiment républicain de l'Empire romain, enfin, ça, cette ouverture à la diversité des peuples, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, d'autre part, il est, je pense, la période qui correspond à l'Angleterre romanisée, hein, c'est-à-dire la fin de l'Antiquité, notamment le 5e siècle, hein, c'est une période qui le passionnait absolument, c'est-à-dire le moment de l'entrée des barbares, hein, et la manière dont les barbares vont se mêler à des romanisés, et qui sont aussi souvent des romanisés christianisés. C'est une chose qui le captivait et comme savant, et dont énormément de choses ressortent, hein, dans son œuvre. Mais en tout cas, l'idée d'une civilisation qui s'étend, qui maintient un ordre, mais sans étouffer les peuples divers qui le composent, c'est certainement une espèce de rêve, hein, et de modèle qui habite, hein, d'une certaine manière, que l'on voit transparaître un peu déjà dans le Seigneur des Anneaux. Sandra Provigny, quelques mots sur cette question ? Oui, juste un mot pour aller tout à fait dans le même sens. On a aussi le sentiment que justement le Rohan pourrait figurer ces anglo-saxons de la fin de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge, et que c'est eux qui viennent au secours du Gondor, qui viennent briser le siège de Minas Tirith et donc finalement sauver la ville, où il accordait un répit avant les dernières batailles. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait aussi y voir
dans cette alliance du Rohan et du Gondor, une histoire alternative où, plutôt que le sac de Rome par les Germains, on aurait une alliance et une nouvelle civilisation, une renaissance de ce royaume grâce à l'alliance de ces deux peuples, comme si finalement on avait à nouveau une forme de réparation de ce qui a pu se passer dans l'Antiquité par le récit du Seigneur des Anneaux. Intéressant parce que finalement, on voit bien comment dans notre rencontre, on a glissé peu à peu de l'Antiquité au Moyen-Âge et finalement la jonction chez Tolkien se fait aussi peu à peu. J'aimerais laisser la place pour des questions peut-être posées par les auditeurs et les internautes. N'hésitez pas à appuyer sur votre micro et poser vos questions. Est-ce que je peux ouvrir la séquence des questions des intervenantes au fil des lectures que l'on peut faire de certains livres qui vous accompagnent toute une vie, c'est le cas pour ce qui me concerne en tout cas entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, y compris et de presque de plus en plus le Hobbit, il y a justement une figure qui moi m'a paru centrale et qui peut faire un autre lien avec le monde antique, c'est la figure dite justement du Hobbit. Oui. Que ce soit Bilbo, mais aussi Sam Gamgee, et à travers elle, retrouver une autre figure antique. Okay. Donc, en fait, je t'explique. En fait, je bloque les gens maintenant. Donc, non, je vous explique. Non, mais je vous explique à tous. Je crois que quelqu'un a laissé ouvert son micro. Quand vous quittez le chat, quand vous rentrez, vous devez me demander la permission. Ah, c'est notre, ça doit être notre, oui. Notre. Bon, je reprends juste ma question. Il faut qu'il fasse une demande et après je l'accepte. Ok. Alors, je vais désactiver les micros. Alors, pensez bien à réactiver vos micros pour ceux qui ont des questions. Moi aussi, je vais mettre. Bah, qui t'es revient ? Mais je t'accepte parce que tu reviens. Parce que, en fait, le troll, vous savez ce qu'il dit maintenant ? Il a changé. Voilà, on a un troll. Oui, j'ai désactivé les micros. Madame Provigny, il faudra réactiver votre micro. Donc, je pense que nous avions un troll, ce qui est éminemment tolkienien. Qui s'est immiscé dans la conversation. Donc le vilain troll a été visiblement chassé par un héros tolkienien. Et moi, je voudrais justement qu'on revienne sur un point qu'on a effleuré, mais peut-être pas suffisamment abordé, qui est justement la question de l'anti-héros et notamment des petites gens, comme se qualifient eux-mêmes les hobbits, les petites gens. Et ce qui me renvoie, pour ce qui me concerne, moi, dans les relectures que je peux faire, à des figures qui ne sont pas cherchées du côté de dans le monde homérique, dont je rappelle qu'il est omniprésent chez Tolkien, qui écrit quand même un moment. J'ai été baigné dans les lettres classiques, j'ai découvert le sentiment du plaisir littéraire chez Homère. Donc c'est quand même, on voit bien combien ce monde homérique compte pour lui. Et je me demande effectivement si on parle souvent, et bien évidemment, et le plus souvent de ce rapport à Homère et en particulier avec l'Iliade. Et j'irais, moi, je pense qu'il n'y a pas des relations à chercher à travers la figure du Hobbit. En embarquant Bilbo et notamment Sam Gamgee dans le Seigneur des Anneaux, vers des figures qui sont celles, elles, issues de l'Odyssée, dont il ne faut pas oublier que Ulysse revient en mendiant, comme une petite personne quelque part, à la limite de l'invisibilité. Je renvoie à la figure de Eumée le Porcher, qui est quand même une figure éminente dans le retour même d'ailleurs d'Ulysse dans ça. Et donc cette question des petites gens, en quelque sorte d'anti-héros finalement, n'est-elle pas elle aussi un fil conducteur qu'on pourrait trouver dans la relation à établir entre le monde de l'Antiquité, finalement, à travers particulièrement justement l'Odyssée, certains passages de l'Odyssée, et le monde tolkienien qu'on lit souvent sous l'angle du héros, mais où finalement il y a beaucoup de anti-héros, à commencer par les hobbits. Enfin, n'oublions pas voilà, que les figures majeures, finalement, sont des petites gens. Oui, alors je pense que c'est quand même particulièrement fort et poussé chez Tolkien.
Ce qui est très important chez lui, et c'est vrai que le rapport avec l'Odyssée est intéressant, c'est que ce qu'il n'aimait pas, c'est que la représentation des petites gens, en général, dans la littérature, enfin souvent dans la littérature, hein, y compris dans la littérature satirique, etc., est stéréotypée. Alors que une des façons par lesquelles Tolkien montre l'importance qu'il accorde à ces figures, hein, et le fait qu'il les met sur un pied d'égalité, c'est que ce sont des figures réelles, hein, et qui sont travaillées de la même profondeur humaine, hein, que les autres. Alors sinon, est-ce qu'il y aurait des rapprochements plus précis avec certaines figures de l'Odyssée? Ça, je pensais à Eumée le Porcher, moi, pour ma part. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a chez Homère, pour ces figures-là, ce qui est rare, finalement, hein, dans la littérature antique, ce sont des figures vivantes. Et pas des stéréotypes. Oui, voilà, Eumée n'est pas un stéréotype. Voilà, oui. Pour être. C'est du moins comme ça que je le perçois. Effectivement, et Ulysse lui-même, dans son caractère protéiforme, y compris son retour sous forme de mendiant avant de redevenir le héros flamboyant, encore que vieillissant et finissant, au bout du compte, me paraît lui aussi très, très tolkienien, quelque part, dans cette humanité, on va dire, humble. Oui, enfin, c'est une humanité surtout qui a usé, je dirais, blanchi sous le harnais. Oui, hein. C'est-à-dire qu'il a fini par tellement en voir qu'il acquiert effectivement une patine. Bon, c'est vrai que de certaine manière, Aragorn, lui aussi, est un héros un peu usé. C'est vrai que ce rapprochement est intéressant. Je renvoie juste à la relecture par la traduction qu'en fait Giono dans sa propre relecture de l'Odyssée, qui est d'ailleurs de ce point de vue-là exceptionnelle, parce qu'elle est très matérielle et très, finalement très humble. Mais bon, on s'embarque sur d'autres sentiers là. Mais c'est vrai qu'on a en lisant Tolkien cette même impression, hein, de se colter avec le monde réel, hein, qui rend l'Odyssée si fascinante. Hein. Oui. Bon, pardon. Ma question, était plus qu'une question, une quasi-intervention. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on relit Tolkien, c'est comme Homère. On s'attache à chaque fois à une nouvelle dimension, à de nouveaux personnages. C'est aussi comme chez Proust, toi. On ne choisit jamais le même sens de lecture. Je vais laisser la parole à d'autres interlocuteurs pour d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je me demandais peut-être s'il y avait une interrogation à avoir sur la notion de fatum chez Tolkien. Sur cette question romaine du fatum, est-ce qu'il y a sur la destinée des personnages, sur la destinée d'une vie, quelque chose à rapprocher de ce qui se passe chez Tolkien, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Alors, ça fait partie, enfin, il me semble que, mais Sandra en parlerait mieux que moi, mais la manière dont Sandra a parlé justement de la réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de liberté du personnage, la reconnaissance de la liberté du personnage, même accablé par le destin. Ceci dit, il y a quand même dans les histoires de Tolkien une histoire qui est entièrement marquée par la fatalité, mais je préférais que ce soit Sandra qui en parle. La Sandra Promini, on vous écoute. Oui, je pense que vous pensez à Turin Turambar, Isabelle, mais effectivement, dans le Silmarillion, le destin, en tout cas les malédictions, sont nombreuses.
On a le serment des fils de Fëanor et ses fils pour récupérer les Silmarils qui conduisent à des guerres et à des massacres d'elfes innombrables. Et puis, on a cette histoire de Turin Turambar qui est le fils de Urin, un des chefs des hommes alliés des elfes, prisonnier de Morgoth et condamné à voir le destin terrible qui va s'abattre sur ses enfants. Donc, il y a cette notion d'une malédiction et d'un destin auquel on ne pourrait pas échapper. Et en même temps, à chaque fois, ce sont des choix du personnage. À chaque fois, le personnage fait des choix qui vont l'emmener vers un destin tragique. Et c'est donc, on retrouve finalement quelque chose de très aristotélicien, finalement, dans la conception de la tragédie, où le personnage... n'est pas tout à fait coupable. Il y a une part de cette fatalité, en quelque sorte, mais il n'est pas non plus tout à fait innocent. Il fait des choix qui sont fondés, dans le cas de Turin, sur deux défauts qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont l'orgueil, ce défaut suprême aux yeux de Tolkien, cette hubris des anciens, ou Love of Moth, dont il parle pour l'épopée nordique, et puis la colère. Aussi qui est un défaut très, très homérique, hein, le défaut d'Achille, où justement sa colère va l'entraîner à faire des erreurs. Orgueil et colère qui le conduisent justement à un destin tout à fait funeste, puisqu'il va finir par causer la mort de son meilleur ami, épouser sa sœur, causer finalement la mort de celle-ci et sa propre mort, ainsi que la chute de plusieurs royaumes des elfes. Donc il y a voilà, une part qui, dans cette histoire de Turin Turambar, qui se Turambar voulant dire maître du destin, au moment où Turin croit avoir réussi à maîtriser justement cette malédiction, il va encore plus y sombrer, mais toujours avec des choix qui sont l'exercice de sa liberté et qui sont liés à la fois sa colère et son orgueil. La liberté, là encore, est préservée. Merci. Je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre, s'il n'y a plus de questions. Je voudrais donc remercier encore infiniment Sandra Provigny et Isabelle Pantin. Oui. C'était absolument extraordinaire de pouvoir parler avec vous, de faire toutes ces jonctions qu'on n'a pas toujours faites dans la lecture de Tolkien et qui nous permettent de revoir, de relire, de corriger aussi notre regard et de l'élargir et de l'enrichir de tout ce que vous venez de nous apporter. Donc un grand merci à vous et à toutes les personnes qui étaient présentes sur ce Zoom. Merci. Moi, je remercie également nos intervenantes qui en plus ont cette très belle qualité tolkienienne de la modestie réciproque dans leurs échanges et de la qualité de la construction du dialogue. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je trouve que votre façon à toutes deux de vous rendre mutuellement et la parole et hommage fait plaisir à entendre et à voir. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Donc la suite qui sera un peu particulière, puisque là on aura affaire à Vincent Ferré, qui est le Tolkienien par excellence, auteur notamment, enfin en tout cas en tant que directeur. Il a dirigé le dictionnaire Tolkien aux éditions du CNRS, que je recommande à tout Tolkienien qui se respecte naturellement, même s'il n'y est pas question, il n'y a pas d'entrée Iliade, Odyssée et dedans, ni Antiquité d'ailleurs, mais je lui poserai la question tout à l'heure de savoir pourquoi. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous donc à 13h30 pour ce très beau dialogue qu'animera à nouveau Olivier Pascal Mousselard sur Tolkien au carrefour des époques et des cultures, qui nous permettra de creuser encore un peu plus ce rapport de Tolkien avec ce brassage des cultures qu'on a quand même largement déjà évoqué dans votre échange à toutes deux. Je tiens vraiment, Isabelle Pantin et Sandra Provigny, à vous remercier infiniment, et le Tolkienien et l'antiquisant réunis vous dit merci. C'était un très bel échange. Merci à vous. Merci à vous. Oh. Donc, pour ceux qui nous suivent, à plus tard pour la suite, donc à 13h30, sur un échange toujours animé par Olivier Pascal Mousselard, Tolkien au carrefour des époques et des cultures, donc à 13h30. Merci beaucoup à tous. Merci.